Il y a beaucoup de personnes qui disent, enfin beaucoup de coachs qui disent que c'est une manipulation. Si on fait le fuis-moi, je te fuis. Ouais, voilà. Fuis-moi, je te suis. Tu es dans une dépendance affective. Quand tu fais le fuis-moi, je te suis. Parce que là, il te fuit, mais tu le suis toujours. Mais fuis-moi, je te fuis, ça veut dire que tu connais ta valeur. Tu sais qui tu es. Tu as pleinement confiance en toi. Donc, il te fuit. Donc, il prend la distance, tu prends la distance également. Donc, c'est ça. J'ai entendu une coach dire que c'était de la manipulation. On peut parler de manipulation quand on ne sait pas ce qui s'est vraiment produit. Selon moi, fuis-moi, je te fuis, ce n'est pas de la manipulation. C'est une façon de reprendre la main. C'est une façon de faire en sorte de ne plus souffrir. Tu es avec quelqu'un qui ne te répond pas, qui n'est pas là quand tu as besoin, mais tu es là quand lui, il a besoin. Mais au bout d'un moment, pour t'affirmer, pour reprendre cette confiance en toi-là, eh bien, tu es obligé aussi de t'éloigner. Obligé. Mais ce n'est pas du tout de la manipulation, à mon sens. Donc, c'est des choses que j'ai appliquées.